Allez, il est 7h du matin et tu regardes l'expresso. Ok, et on commence cet expresso avec une triste nouvelle. C'est la fermeture de Holy Grail. Donc Holy Grail, c'était un studio de jeux de société, notamment connu pour Rallyman. Rallyman qui est un jeu que nous on a adoré sur la page, et donc voilà, le couperet est tombé de façon assez dure, hein, assez abrupte, puisqu'il y a eu un communiqué de presse qui explique que ben voilà, ils n'ont pas réussi à surmonter les problématiques de transport, notamment les surcoûts, hein, qu'il y avait au niveau des transports, qu'ils ont eu des problèmes avec des impressions de jeux et des transports de jeux qui ont ralenti en fait la livraison des KS, et puis le Covid leur a fait énormément de mal, et apparemment ils n'ont pas réussi à surmonter. Je vous laisse si ça vous intéresse, hein, vous rapportez en fait au communiqué de presse qui est un petit peu laconique. C'est triste. C'était un joli studio, voilà, avec notamment Museum Pictura, qui était un jeu qui était apprécié par Kevin et par Nico, que je salue. Et puis surtout le grand Rallyman, qui avait pourtant été racheté par Asmodée et qui doit être distribué. Alors est-ce que ça sera toujours, on ne sait pas. Mais voilà, c'est la fin de Holy Grail Game, et j'en parle parce que c'est triste, c'est un beau studio, et puis c'est vraiment tombé de façon très abrupte. Si vous allez sur le site, il n'y a plus rien à y faire à part lire le communiqué. Donc voilà, j'espère qu'il y a un moment, l'hémorragie va s'arrêter. Allez, on passe à la semaine de Games Workshop, avec une semaine qui est très très orientée sur Warcry et sur Kill Team, notamment avec l'abordage acharné, hein, que la boîte est déjà de toute façon en rupture, donc elle est plus disponible sur le site. Je ne sais pas si vous avez réussi à l'obtenir, c'est votre marchand, mais si c'est le cas, vous êtes un chanceux. C'est de nouveau un corset, hein, donc c'est vrai que le dernier date maintenant. Ce sera accompagné d'une kill zone qui est plutôt chouette. Et puis également, on va y retrouver un pack d'extension, un pack d'upgrade de décor, avec plein de petites mignardises à l'intérieur. Le tout est également abreuvé par 4 sorties de Kill Team, dont une, voire même deux, sont elles aussi déjà en rupture. Moi, j'aime beaucoup les Necrons, et puis alors je suis totalement tombé amoureux de la boîte des Croûtes. Les figurines qui sont dedans sont bien entendu exclusives, et elles sont vraiment super bien taillées, et voilà, je pense que je vais craquer pour cette monture. Sinon, ça va être accompagné de deux codex. On va avoir Cales Obscures, mais également Dans le Noir, donc qui vous met à jour au niveau de ses sorties. Warcry poursuit également sa diversification avec une nouvelle boîte qui s'appelle Chasse Sanglante. J'ai du mal à comprendre, là par contre il y a beaucoup de starters qui sortent. Je ne sais pas quelle est la politique en fait qui est derrière cette dynamique là, parce que je trouve que ça fait beaucoup de starters pour un jeu qui certes est excellent, mais qui n'a peut-être pas besoin d'autant de starters que ça. Ben bon, je vous laisse m'en dire plus en commentaire. Ça va être accompagné par contre de deux bandes. On va avoir les obélisques, hein, qui sont sympas. Mais alors il y en a une qui me fait vraiment kiffer, c'est les petits hunters. Franchement, les petits Warcry hunters, je trouve ça vraiment 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 super clé. Sinon, pour Horus Hérésy, on retrouvera les Hunter Squadron. C'est des motos en fait que je trouve mais juste de toute beauté. J'aime beaucoup l'univers de Horus Hérésy, mais là je dois avouer que les motojets qu'ils ont sortis, là, les espèces de grosses motojets, bah, j'ai juste envie de les prendre pour me faire un diorama, tellement je les trouve badass. Allez, pour la suite, on va passer à Star Wars Légion. Donc vous l'avez vu dans les shorts que j'ai publiés, je vous fais des présentations courtes de ce qui va sortir aujourd'hui. Donc on a le MOF Gideon, hein, qui sera disponible, et puis on retrouvera également la boîte des Dark Troopers Imperial.
qui est là, c'est du très très lourd, et c'est pas que les droïdes qui sont dans la boîte. Vous savez que ça fait déjà l'objet d'une Battle Force que vous pouvez télécharger en PDF gratuit sur le site d'AMG. Voilà, c'est très 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 offensif. Allez voir les shorts que je fais actuellement. Attention, c'est pas parce que je fais des shorts qu'il n'y aura pas de vidéo de présentation du Moff Gideon et des Dark Troopers. Ne vous inquiétez pas, c'est juste des petites mises en bouche que je fais. Mais ça ne substitue pas à la vidéo qui sert de présentation globale de la figurine. Sinon, on va retrouver également, toujours du côté d'Asmodée, le Trône de Fer, avec l'arrivée d'une grosse boîte pour les Martel, un starter comme il y avait eu déjà. J'ai les Targaryens, j'ai la Garde Noire et j'ai le Peuple Libre. Là, il y a la nouvelle boîte qui est sortie, qui était les Martel. Je sais qu'elle est très très attendue. Et puis elle est accompagnée ensuite d'un ensemble de petites boîtes. J'en ai pris une en exemple, là, les héros, mais il y en a plusieurs qui sont sortis. Donc voilà, c'est dispo dès aujourd'hui. Sinon, j'en ai parlé également dans un short. On va retrouver cette superbe proposition de chez Mantic, King of War Ambush Starter Set. Donc ça va sortir dans les semaines qui arrivent, notamment également en français. L'idée, c'est de vous proposer un starter set à 40€ avec des règles aménagées pour l'embuscade, qui est un format beaucoup plus réduit que le format conventionnel en fait de King of War. Ça permet de mettre un pied dans le jeu. Et puis comme l'a si bien dit Evie, ça nous rappelle un peu nos starters de War Machine. On balançait 40 balles et on pouvait jouer. Et là, en fait, on a deux stands de deux troupes avec un support en plus. Voilà, je trouve ça également super classe. C'est une très très bonne idée en fait de leur part que de se lancer en fait dans ce genre de proposition, parce que ça permet d'avoir un pied dans le jeu, et je trouve ça extrêmement friendly. Pour la suite, on va avoir également le fameux zombicide chez les Cowboys. Bon, voilà, un zombicide de plus. Je vous cache pas que je m'y suis pas beaucoup intéressé. Je l'ai pas reçu, donc c'est pas moi qui vous le présenterai. Mais par contre, je sais que d'autres youtubeurs l'ont reçu, donc peut-être qu'il y a des mécanismes nouveaux. Pour moi, de toute façon, il n'y en a pas un qui dépasse le Green Horde. Donc voilà, si vous êtes fan de l'ambiance cowboy, n'hésitez pas. Sinon, toujours dans l'univers de Zombicide, on va avoir Gear Up. Gear Up, qui est une toute petite boîte qui va vous permettre de jouer de 1 à 4 joueurs. C'est un espèce de jeu de cartes avec des piles à tirer, et puis on a notre stand de perso. Et puis voilà, on vit une aventure à l'ance de Zombicide un peu allégée, puisque du coup on se retrouve sur des parties d'une trentaine de minutes. C'est facile, c'est compact, et ça se transporte facilement. Donc voilà, peut-être un petit apéro game, mais sur l'univers des zombies et de la fin du monde, pourquoi pas. On retrouvera également Call to Adventures Epic Origin. Alors pourquoi je vous parle de ce jeu? Bah parce que déjà je trouve que la boîte elle défonce totalement. C'est le genre de boîte que vous rentrez dans un magasin et que vous tombez dessus, vous vous dites ah tiens ouais sympa, ça donne envie quoi. Hein. Alors forcément je me suis dit de quoi il retourne. Alors c'est un jeu coop. Moi il y a une notion qui me dérange un peu dans ce jeu là, c'est qu'en fait c'est du full coop, mais à la fin on compte les points de prestige et puis on détermine quand même un gagnant. J'ai du mal avec ce genre de proposition. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on joue tous ensemble contre un méchant. Il y a un marché de cartes au centre de la table qui vous permet ensuite soit d'augmenter les capacités de votre personnage, soit de remplir des quêtes. Et puis vous allez vous battre contre un méchant. Il y a plusieurs méchants dans la boîte qui sont contenus dans des enveloppes qui sont scellées. Et chaque nouveau boss apporte ses cartes avec lui et donc complète la proposition, la diversité du jeu. Voilà. C'est très 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 beau, je trouve. Ça se joue, c'est quand même un peu expert. J'aime bien les jeux qui jouent tout seul, hein, vous savez. Et là, en l'occurrence, c'est de 1 à 4 joueurs. Et puis, on va avoir Here to Slay, qui est un jeu qui normalement était en anglais, mais là, qui arrive traduit en France.
Donc là, c'est pareil, vous allez avoir un petit jeu de cartes avec des petits dés, et puis vous allez partir en groupe pour fraguer du gros monstre, et puis éventuellement également mettre des petits croche-pattes à vos collègues. Je trouve que le caractère design du jeu est plutôt sympa. La licorne, elle défonce, et puis franchement, l'ours avec sa grosse hache qui déboîte, voilà, je trouve que c'est un beau clin d'œil. Allez, je termine cette vidéo sur le coup de cœur BD. Et aujourd'hui, je vous propose L'Ogre Lion. Donc, on est dans les éditions Draco. C'est une BD qui est proposée par Bessadi. Le speech est vraiment, vraiment sympa. En fait, vous avez un lion qui voyage avec un petit. Ça a l'air d'être une petite brebis, un petit chevreau. Voilà. Donc normalement tout les oppose. Ils voyagent ensemble parce qu'en fait le lion a perdu la mémoire et le petit chevreau, lui, ce qu'il veut, c'est retourner dans sa famille qui est dans le sud. Et le lion, pour retrouver la mémoire, doit partir dans le sud aussi. Donc ils partent ensemble. Seulement le petit hic, c'est qu'en fait ce lion fait des cauchemars et il imagine qu'il a tué ses enfants. Il n'arrive pas à savoir ce qui lui est arrivé. Et en fait, il est possédé par un démon. Et à chaque fois qu'il meurt, ce démon s'incarne. Et en fait, c'est un démon qui est au mode en format antilope, un peu, hein, mais mâle, donc plutôt balèze. Et en fait, à chaque fois qu'il apparaît, il défonce la gueule à tous les carnivores qui sont sur place. Donc c'est un peu antagoniste, si vous voulez, entre le lion et l'antilope. Mais voilà, il défonce tout le monde. Il rabasse, et puis une fois qu'il a fini de rabasser, pouf, il disparaît et le lion se réincarne. Et donc en fait, ce lion aimerait bien se débarrasser de ce démon qui est en lui. Il aimerait bien comprendre ses cauchemars. Malheureusement, il ne peut pas poser de questions au démon parce que quand le démon est là, bah lui, il est pas censé être là. Il est censé être mort. Et voilà. Et en fait, c'est là que se joue la relation avec ce petit chevreau, puisque il demande au petit chevreau quand je meurs et que la grosse bestiole apparaît, pose-lui des questions pour savoir pourquoi il est là. Qui je suis, où j'en suis et où est ma famille. Donc voilà. Donc c'est plutôt bourrin, hein, soyons clairs. Donc c'est pour des adultes. Ça manque pas d'humour. C'est pas un humour ça là. C'est vraiment un humour qui est rafraîchissant, qui est bienvenu. Et puis accessoirement, c'est absolument splendide. Pour l'instant, c'est en 2 tomes. Et pour moi, il y a tout l'univers. Ça sent un petit peu également le Conan, un petit peu également le Trône de Fer. Enfin voilà, il y a du relationnel, il y a du politique, il y a du barbare, il y a du sanglant, il y a du voyage aussi un petit peu à la façon Seigneur des Anneaux. Donc pour moi, c'est vraiment un package idéal. N'hésitez pas, on est aux alentours de 15 € la BD. Voilà, j'espère que cet expresso vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur les sorties de la semaine. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker et puis à partager cette vidéo. Et puis moi, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout des bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao!